壊れそうな現実を重ねていくんだ、きっと迷わない君を見つけるから、まだ一人きりは広すぎるから、空へかける消えない願いを、答えを求めてさまよう、ゼロと一だけの新しい世界、かすかに支えられていた彩られた奇跡に生まれ落ちた定めをたどり続けても、今は壊れそうな感情を重ねていくんだ、ずっと本当の自分Salut tout le monde, c'est Player Gamer. Enfin, les amis, enfin, mon Dieu, j'aurais réussi cet enregistrement. Ah purée les amis, qu'est-ce que j'aurais ragé. Putain, ça fait au moins 10 fois que j'essaye d'enregistrer. Donc ça y est les amis, nous y sommes. Sword Art Online Holo Realization. Donc voilà, après 5 mois... la fin de notre Let's Play sur Sword Art Online Leçon qu'on avait conclu en juillet et qu'on avait commencé en janvier. Et encore, j'étais plutôt sympa, que j'avais fait du 30-40 minutes et sans faire un 100%, en rushant. Donc là aujourd'hui les amis, on est parti pour le nouveau Sword Art Online, donc Holorization, qui est sorti le 8 novembre. Donc je suis un peu en retard effectivement parce que j'ai acheté le collector et le collector a eu un peu de retard. Ouais, il a eu un peu de retard, voilà. Et après la livraison et l'upload. Mais bon, vous avez dû avoir cette vidéo, je pense, vendredi. Normalement, si tout se passe bien, si l'upload aura été bon. Donc voilà, premier épisode, les amis. On va faire ça en 20-30 minutes. Comme d'hab, comme chaque Let's Play. Donc là, ça promet, les amis, une série très très longue sur la chaîne. Que vous voyez sur le titre qui a marqué saison, normalement. Saison 1, saison 2, saison 3. Donc ça, je vais marquer comme ça pour. Histoire qu'on aura fait, disons, une partie du jeu, quoi. J'ai envie de couper mon let's play en plusieurs parties, donc pour si vous voulez pas avoir une saison, voilà, vous rattraper, c'est le meilleur moyen. Donc c'est parti, premier épisode de la saison 1, c'est parti, nouvelle partie. J'aurais dû peut-être regarder les sous-titres. Ah ouais, ça va, c'est en français. Alors, nom de joueur, bah Kirito, ouais. Là, je peux changer mon regard de Kirito. Hein, parce que je peux mettre homme et femme. Bon, bah on va mettre homme. La coiffure. Non, on peut même changer la coiffure de Kirito, là, pour le coup. Effectivement, on peut faire carrément un autre personnage. Ah, c'est déjà... Ils ont déjà entendu... la critique qui était passée sur Sao, donc c'est plutôt cool. Franchement, c'est plutôt cool. Bah, nous, on va garder. Franchement, on va garder Kirito normal, hein, mais c'est juste pour voir. Ouais, franchement, beaucoup mieux. On va garder notre perso normal, donc désolé, les amis, si je. Voilà, si je change pas, mais je préfère garder notre perso normal. Et non faire quelqu'un d'autre. Bien sûr, ce sera l'épée, la nôtre. Je regarde hein, un petit peu ce qu'il y a, c'est sympa. Sympa, en tout cas, personnalisation du joueur, on est vraiment bon. Hein. Allez, c'est parti, on est bon. Kirito, je suis sûr, let's go. On va prendre le héros quand même.
俺のことを見ているのか。NPC だったよな。メッセージ、je suis de retour à une crade bizarre. Très bizarre, les amis. Bon. En tout cas, le jeu est très beau, hein. Comme l'ancien. Comme le song. Très très beau. Quelques heures plus tôt. Ah! Ah! Ils sont sérieux là, le jeu commence à peine et on affronte déjà des monstres de dingue. Peut-être qu'on avance trop vite, on aurait normalement dû rester dans la ville de départ, le temps de monter de niveau. Mais il y a trop de monde là-bas. Comment on est censé chasser s'il faut se disputer la moindre proie? Tu n'as pas tort. Que voulez-vous faire? Que voulez-vous faire, vous autres? On continue à se battre ou on rentre? Ils sont peut-être coriaces, mais pas invincibles. Je trouve qu'on s'en sort bien. C'est ce que je voulais entendre. Que la chasse continue! Tu es pris, Kirito? Comme toujours, en avant! Ennemi vacillant. Ok. Alors, combo attaque, sword skill. Ah, c'est sympa. C'est pas mal du tout. Tailladé plusieurs fois. Ouais, d'accord. Ok. Activer instantanément des compétences d'épée. Triangle, ça consomme plein de PE, mais ça augmente la puissance d'attaque. Si vous utilisez votre compétence d'épée après celle d'un ennemi, vous pouvez le faire vaciller un bref moment. D'accord. Vous affligez plus de dégâts à un ennemi vacillant, étudiez bien ses mouvements et attendez le bon moment. D'accord. Ah, genre là. En tout cas, niveau attaque, c'est beaucoup mieux que Lost Song, hein. Moi j'adore. Je pense que c'est largement mieux. Merde, j'aurais dû vraiment faire une attaque. Tiens, attaque! Donc ce jeu, on pourra jouer en ligne, les amis. Donc je pense que je jouerai en ligne, on verra. En tout cas, j'ai pris un compte pour. C'est le mien, je ne peux plus me mettre en ligne maintenant. Ah, il m'a étourdi. Merde, j'aurais pu le finir. À l'attaque! Donc on peut jouer à 4, hein, sur Draft Online. Ça qui a l'air vraiment bien. À l'attaque! Par contre, j'aimerais bien avoir sa vie. Ah, ça y est. J'ai pas vu sa jauge de vie, j'aurais dû voir. Ennemi vacillant terminé! Un ratio de combo. Un ratio de combo apparaît chaque fois que vous attaquez un ennemi. C'est un multiplicateur de dégâts. Plus il est haut, mieux c'est. Plus votre combo dure, plus le compteur augmente et fait grimper le multiplicateur de dégâts. Le multiplicateur de dégâts augmente aussi quand vous synchronisez vos coups avec la jauge de combo. Plus vos attaques sont efficaces, par exemple,
Si vous faites vaciller l'ennemi, plus le ratio augmente. Faites passer votre ratio de combo au-dessus de 2. D'accord. Synchronisez vos coups ou trouvez un autre moyen de faire vaciller l'ennemi. Ok. Ok, bon. Ah putain! Bah on l'a perdu. Ah, il faut surtout pas se faire étourdir. Tiens! Merde, pas assez. Allez! Ah, ça devient chaud après. Eh merde, putain, faut pas que je me fais étourdir. J'ai plus la touche, si seulement il y aurait une touche pour se barrer vite. Ça y avait dans Lost Song, donc j'aimerais bien qu'il y aurait. Putain, sérieux? Vas-y, on y est presque, on y est presque. Yes! On y est. Ah, c'était chaud hein, de passer de 2. Frappez un ennemi plusieurs fois pour faire monter votre ratio de combo à 2. Terminé. Esquivez les attaques ennemies. Ah, voilà, c'est ça que je veux, moi. Quand les ennemis attaquent, l'attaque de zone s'affiche. Cela vous donne une chance d'esquiver l'attaque. Ouais. Esquivez en bougeant le joystick gauche et en appuyant sur R1 pour faire une esquive rapide. Voilà, c'est ça que je veux, esquive rapide. Vous rend un instant invulnérable vous permettant d'éviter l'attaque. Voilà, c'est ça que je veux. Voilà, nickel. Voilà, c'est ça qu'il faut. Ah bah là, tu peux faire des combos de malade, là. Ah, par contre, j'ai perdu le combo, malheureusement. Tac. Ah, il me donne plus de PE. Mais sérieux. Tiens. Bon allez, on va faire ce qu'il dit. Pourquoi il veut pas? Ouais. Ouais, en tout cas, il a l'air très sympa, les amis. Mais là, je voudrais juste savoir. Voilà, c'est comme ça. Mais what? Ah, voilà, d'accord. Eh, faut vraiment appuyer au bon moment. Bon, au moins c'est fait, enchaîner les attaques. Alors, vous pouvez donner plusieurs ordres depuis la liste des commandes du groupe, mais l'un des plus puissants est enchaîné. Pour faire un enchaînement avec les combos par défaut, appuyez sur L1 plus triangle. Ok. Si vous leur ordonnez de faire un enchaînement, vos alliés feront une série de combos avec multiplicateur de dégâts. Augmentez votre ratio de combo en synchronisant vos attaques d'épée avec les attaques de vos alliés. Ouais, si vous réussissez votre enchaînement, vous activez un enchaînement de compétences. Les alliés sont vulnérables quand ils font des enchaînements. Faites vaciller des ennemis et parer des attaques pour eux. Allez, vite! Yes, c'est réussi. Ah non, pas encore. Ah, il faut le tuer là, je crois.
Ah. Merde, on a raté. Bon là je crois qu'il faut le tuer hein. Mais c'est chiant sérieux, les entraînements là c'est lourd. Il n'y en avait pas dans la song. Et c'était mieux comme ça, on n'a qu'à dire. Allez, tuez-le! Vas-y, vas-y, il est presque mort. Voilà. Putain, j'espère que c'est fini là avec les entraînements parce que c'est lourd. Franchement, les entraînements. Moi, je veux voir l'histoire là. Ah, ça y est. Piou! On a gagné! Je ne sais pas comment, mais on a gagné! Parce qu'on est trop fort. C'est vrai que ces monstres étaient un peu durs, mais c'est à ça que servent les équipes. Bon boulot les amis, c'était une sacrée entrée en matière quand même. Ça n'était pas facile, oui, j'ai bien cru qu'on allait tous y rester. Liz marque un point, si on s'en sort aussi bien, c'est parce qu'on sait se battre, ensemble. Évidemment, après tout, ça fait super longtemps qu'on se connaît. Depuis Sao, on a fait du chemin les amis. D'ailleurs, j'ai comme une impression de déjà-vu avec Sao. On dirait que ces paysages sortent tout droit d'Uncrad. Sao. Ce souvenir de Sao continue à parler. Ah ouais, maintenant il y aura des choix multiples. Continue à parler. Mais ce monde n'est pas celui de Sword Art Online, ce n'est plus Uncrad. C'est un nouveau jeu, une nouvelle version bêta, Sword Art Online Origin. Oui, il n'y a plus cet énorme château qui nous menace constamment, c'est un jeu complètement différent. Cette fois, on va explorer le vaste monde d'Underground. Mais cet endroit n'est plus une prison, quoi qu'il nous réserve, on devrait bien s'amuser tous ensemble. Haha, j'ai hâte, c'est un tout nouveau monde qui... Et il va y en avoir... Il y a tant à voir. Tu es vraiment devenu accro au jeu, hein, Zuna? Oh les amis, on ne devrait pas retrouver les autres après ça? On devrait peut-être retourner en ville. Ouah, le temps a une de ces vitesses quand on chasse des monstres. En route. Ok, mais on fait un concours. Celui qui tue le plus de monstres sur le chemin, du retour à gagner. Hé, toi aussi tu es devenu accro au jeu, Liz. Oui, peut-être. Allez, c'est parti. Ah, attendez-moi, pas si vite. Hé, on y va? C'est parti. Allez, let's go. Ah, c'est beau. Hein. C'est beau tout ça. On est arrivé pile à l'heure. J'ai repéré plein d'endroits sur le chemin, j'ai hâte d'aller les explorer. Hé, c'est bien toi, c'est bien Kirito. On aura le temps de tout voir. Ne te crois pas encore tiré d'affaire, j'ai repéré des tonnes d'endroits super avant d'atteindre le lieu de rendez-vous. Je n'y tiens plus, je veux m'arrêter dans chaque boutique, goûter à toutes les pâtisseries. Haha. Tu vas devoir te retenir encore un peu. Tu n'es pas le seul à vouloir tout explorer. Cette ville est gigantesque. Ne nous perds pas de vue ou on risque d'être séparés. Il y a tant de choses à voir, je pourrais facilement me perdre dans toute cette agitation, petite comme je suis. Tous au point de rendez-vous. Je te suis. Oh, les voilà! Coucou tout le monde! Salut, désolé de vous avoir fait attendre. T'inquiète pas, la petite Lifa et moi, on vient d'arriver.
Attends un peu, vous êtes déjà allé vous battre? En quelque sorte, on est juste allé voir à quoi ressemblaient les combats par ici. C'est pas juste, pense un peu à moi. Je me suis grouillé de finir mon boulot pour venir tuer des méchants avec toi. Moi aussi j'ai cuisiné un truc vite fait pour le dîner pour pouvoir venir le plus vite possible. Alors, ne t'attends pas à un repas gastronomique ce soir, hein, Kazuto. Ah, c'est pas grave. T'en as de la chance, toi, de pouvoir manger la cuisine d'Alifa quand tu veux. C'est ma petite sœur, je te rappelle. Mais je parie que dans le jeu, tu manges celle d'Azuna, hein. Faudrait pas que tu vexes ta copine après tout, pas vrai? Pourquoi tu monopolises toutes les jolies filles? Il y en a qui réclament de l'attention, là. Oh, Klein, tout va bien? Eh, ne te moque pas de ma cuisine! Le jeu ne fait que commencer, je n'ai pas encore monté ma compétence de cuisine, je n'ai pas le niveau de Sao. T'en fais pas, le pouvoir de l'amour va l'aider à finir tout ce que tu lui feras, quoi que ce soit bon ou pas. J'espère bien, tu vas devoir manger toutes mes expériences culinaires le temps que je monte de niveau. Oui, bien sûr, Azuna. En plus, je vais m'améliorer plus vite si je prépare des plats en y mettant tout mon cœur pour une personne que j'aime. Azuna. Kirito. Hey, stop! On redescend sur Terre, on n'a pas le temps pour les yeux doux. On a un jeu sur le feu. On ne faisait pas les yeux doux, promis. Ah là là, quel couple, je vous jure. Ah, je vous trouve enfin. D'après ce que j'entends, vous vous êtes déjà remis dans le bain, hein? Eh, Agile, je croyais que tu ne pouvais pas te libérer pour le premier jour, bienvenue. Ma chère et tendre épouse a été très gentille et m'a dit de prendre le reste de ma journée. Comment vont les affaires au café d'Issei? Super, mais en échange de ce jour de congé, ma douce me demande de faire un peu de pub dans le jeu, alors passez me voir. Compte sur nous, le gâteau du café d'Issei est le meilleur du monde. Je t'en mettrai quelque part de côté. Comment, content de t'avoir parmi nous, on attend encore quelqu'un? Non, je ne crois pas. Super, on se met en route alors. En avant! Allons mettre une raclée à ces monstres. Je ferai de mon mieux pour ne pas vous ralentir, je vous promets que je ne serai plus à la traîne comme dans Sao. Je vous rejoins plus tard, je voudrais d'abord jeter un œil aux boutiques du coin. Tu as déjà un nouvel équipement en tête? Eh, pas encore, mais cet endroit, je sais que c'est censé être une copie parfaite de la ville de départ d'Omkrad. C'est un peu déstabilisant, des tonnes de souvenirs n'arrêtent pas de me submerger. J'ai l'impression qu'hier encore, je courais partout à la recherche des matériaux pour monter ma forge. Une fois que je me suis installé, tout s'est mis vite en place, j'ai commencé à forger des armes dont j'étais fier. Et un certain joueur est un jour apparu pour détruire mes plus belles pièces, je ne vise personne. Élise, je ne sais pas ce que j'aurais fait sans ta forge super géniale et totalement incassable. Bonne réponse. Bon, c'est bien sympa de discuter, mais des tonnes d'aventures nous attendent, c'est parti. On a le choix entre faire un tour en ville ou battre la campagne. Dans les deux cas, j'ai le sentiment qu'on finira par connaître les moindres coins d'Ungrand. Ouais! Hey, tu veux faire une balade avec moi? J'aimerais voir la ville de départ de ce jeu. Bien sûr, on dirait qu'il y a eu beaucoup de changements. La ville de départ. Ok. Ce jeu commence dans la ville de départ. Elle se compose de 4 zones. Voici la place du téléporteur. C'est là que les joueurs partent pour l'aventure et en reviennent. De chaque côté de la place, on trouve la rue du marché et le parc du lac. Plus loin se trouve la vue panoramique. La ville s'étend vers l'est et vers l'ouest, explorez-la afin de découvrir tout ce qu'elle peut offrir. Bien, promenez-vous en ville avec Azuna. Ok les amis, donc on va s'arrêter ici, j'espère que vous aura plu ce premier épisode de Sword Art Online Holorization. J'espère que vous allez kiffer le let's play. On est parti pour une très longue aventure les amis. En tout cas c'est sympa, mais le truc c'est que déjà je regarde un peu, c'est dans les dialogues où on voit pas Kirito.
Ouais, c'est vrai qu'on est là, pour le coup vraiment Kirito. Hein. Ce que je préférais dans Lost Song, parce que on va se l'avouer, nous ne sommes pas Kirito. Donc voilà, je préférais quand même Lost Song où on voyait Kirito dans les dialogues. Bref, merci à regarder ce premier épisode et à très vite pour la suite. Bye tout le monde. Star Wars.